Orduan, iparraldean gehienik dut uh, Akitaniako Rialde eta haren teknikalariak. Uh, apurtxo bat, baina uh, ez erregularki erri elkargoko uh, uh, uh ordezkari batzu. Uh, ego aldean aldiz, biziki uh, uh, e, uh nekazaritza sailburu ordea eta haren, haren ekipak, bereziki uh, uh elikagai zuzendari horoko baita ere e, Gipuzkoako foru aldundiko e, interlokutoreak. Orduan, egoaldean proiektu zabal batetik ateratzen gira, zen gure irugarren gaznetegiaren sortzea, duela hamar bat irabete lugetik atera duguna. E, proiektu gotio izan da, gainera berrikuntza azkar bat ilotua, zen sortu dugu gazna berri bat, teknologikoki desafio handi bat zena, e, beraz izan da alde batetik ikerketa eta garapen proiektu bat, eta beste proiektu industrial oso bat. Hori gazna ahloaren zat, orain, orain urrengo erronkak dira e, produktu berri horren salmentak garatzea, eta gure marka e, izan da dila Euskadi osoko marka nagusinetariko bat e, gazna mailean, eta orokorki esnik imaileetan. Alde batetik, eta beste aldetik gure biskotxeria, patizeria arlo horretan, ukan dugun eder bat azken bost pasai urte hauetan. Covid-a garaiak ere ez gaitu soberak altetu, beraz berrikuntzaren bidez gure helburdua da, hemendik bost zazpi urtetara gure izaria doblatzea. en tout cas, elle permet une relation spécifique et elle permet une relation de co-construction. concrètement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, un groupe d'éleveurs est venu nous proposer une problématique d'envergure par rapport au débouché de leur lait. nous avons imaginé une solution avec eux, mais qui supposait un soutien public majeur. rendez-vous a été pris immédiatement avec le ministre de l'agriculture du gouvernement basque et dans le quart d'heure, quelques pistes très sérieuses, très concrètes de soutien public ont été mis sur la table pour qu'on puisse mener un projet de développement commun et puisse apporter une solution immédiate et pérenne à une quarantaine de producteurs, essentiellement du Guipuscois, mais aussi de Biscay et d'Alaba. Ce sont des schémas de fonctionnement qui malheureusement ne sont pas encore concevables en Pays basque nord, à la fois parce que les institutions locales ont un niveau de compétence beaucoup plus faible. Là, on a des ministres qui ont la capacité d'investir dans le capital des sociétés, qui ont la capacité de mobiliser les fonds européens dans le cadre très spécifique, par exemple, de la crise Covid. Euh, Aujourd'hui, côté nord, la capacité de cette décision-là est beaucoup plus diffuse et fait intervenir beaucoup d'interlocuteurs, à commencer par l'État. Oui, globalement. Euh, moi, je peux souligner qu'on a en face de nous des gens qui ont du pouvoir, qui ont les moyens d'agir lorsqu'ils sont convaincus du bien fondé du projet. Et en plus, on a une qualité de relation qui est peut-être un peu différente, probablement liée au fait que l'utilisation de la langue basque, une certaine proximité, fait que euh, la relation est, est de suite euh, beaucoup plus fluide. Je me souviens d'une anecdote, la première fois que j'ai rencontré le ministre la de l'Agriculture, on a évoqué plusieurs projets. Il m'a indiqué que ses interlocuteurs étaient euh, un tel, un tel, un tel selon les sujets. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, je te donne mon portable, si dans 15 jours tu n'as pas de leurs nouvelles, tu m'appelles à moi. On a rarement l'occasion de voir ça auprès de responsables politiques côté nord. Oui, là aussi, l'administration fiscale de guipuscoa, qui détermine globalement la politique fiscale qui nous impacte directement à nous, entrepreneurs de Guiposcoa, est déterminé à quelques dizaines de kilomètres de notre siège social. Euh, le directeur du trésor, l'équivalent du directeur du trésor français, qui est en l'occurrence le directeur du trésor des Guiposquois, rencontre toutes les entreprises d'une certaine taille, mais pas les très grandes, hein, toutes les entreprises de plus de 50 salariés, tous les 2-3 ans environ, pour expliquer la situation budgétaire de Guiposquois, pour expliquer la stratégie fiscale qui a été adoptée. Et l'entretien se termine par. Et vous, quels sont vos besoins Comment on peut vous accompagner Quels sont les dispositifs fiscaux sur lesquels on peut travailler ensemble pour qu'on vous donne les moyens d'assurer votre développement, d'être attractif vis-à-vis -vis de vos salariés, euh, etc. Donc euh, c'est une relation de proximité qui est assez inédite et qui est euh, extrêmement valorisante et qui, euh, globalement, oriente euh, notamment les, les, les crédits fiscaux que nous pouvons obtenir vers la création de richesses et vers la création de développement sur le territoire. Oui, elles sont sous-pesées, les enjeux sont mesurés par rapport effectivement au potentiel de, de création de richesse que tel dispositif pourrait amener, mais nous avons vu aboutir certaines de nos propositions. En 40 ans, le gouvernement basque et les députations ont montré leur capacité à transformer radicalement une économie totalement obsolète qui était axé sur de la sidérurgie, des vieilles industries vers une économie totalement ouverte à l'international, extrêmement innovante, avec une très belle capacité d'adaptation. Les temps de demain sont les temps où l'agilité sera la qualité première. Et ça, c'est dû essentiellement aux pouvoirs locaux et à ce qui est derrière le concerto économique, c'est-à-dire la capacité fiscale. Donc évidemment, c'est une source d'inspiration non seulement pour le pays basque nord, mais pour toutes les régions à forte identité d'Europe. Euh, non, mais et, et, le, le défi ensuite pour nous, euh, acteurs du Pays Basque Nord, est d'établir des liens de plus en plus étroits avec ces institutions-là, euh, de mettre en place des projets concrets qui feront aussi que euh, ça mettra en lumière les déficits de compétences que nous avons pour pouvoir les obtenir tôt ou tard et qui feront en sorte aussi que les, ces institutions-là qui seront liées par des projets ne pourront plus reculer dans le développement de la coopération transfrontalière. Et c'est comme ça qu'on construira un Pays Basque plus fort et plus uni.